Voilà, voilà. Après toutes ces recherches, elle est enfin prête, ma potion. C'est un grand jour. Il ne me reste plus qu'à l'essayer. Oui, mais s'il y avait des effets secondaires graves, on ne sait jamais, je pourrais tomber malade. Je crois que je vais faire davantage de tests avant de l'essayer sur moi-même. Oui, c'est ça. Je vais la tester plus à fond. Pouille! Qu'est-ce qui a pris? Viens ici une petite seconde. Inutile de lui dire de quoi il s'agit. Ses recherches doivent rester secrètes. Alors, tu viens? Oui, j'arrive, Fripp. Qu'est-ce qu'il y a? Je t'ai préparé un super jus complètement bourré de vitamines. Il est beau, le petit parapluie. Est-ce que je peux le garder après? Oui, mais si. Bois. C'est un jus de quoi? C'est un jus de pomme. Un jus de pomme bleu? Oui, c'est un jus nouveau genre. Et tu ne bois pas, toi? Non, merci, j'en ai déjà bu. Oh, je peux partager si tu veux. Non, je n'ai pas soif. Bois. Pourquoi tu me regardes comme ça? Oh, mais moi, je ne te regarde pas. Oh, mais si que tu me regardes, je dirais même que tu me dévisages. Mais non, je ne te dévisage pas. Oh, mais si, madame. Mais non, monsieur. Mais si, madame. Mais non, monsieur. Mais si. Bois. Bon, très bien, je vais boire. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a cette fois? Rien, Fripp. Je vais boire. Oh, mais ça sent épouvantablement mauvais, ton jus. Voilà, comme ça, tu ne sentiras rien. Bois, hein? Ah, je le sentais. Oui, c'est ça. C'est épouvantable, ton jus nouveau genre, Fripp. Mais c'est que ce n'est pas vraiment un jus de pomme nouveau genre. Comment ça, pas du jus de pomme? Qu'est-ce que c'est, alors? Oh! Ça marche! J'ai réussi! Qu'est-ce que tu m'as fait boire, Fripp? Qu'est-ce qu'il y avait dans ce jus? C'est une potion qui rend invisible. Pardon? Qui rend quoi? Regarde! Mais je ne me vois pas du tout! Normal, puisque tu es invisible. Je suis invisible! Mais Pouille, donne-moi ça! Mais Pouille, mais... Oh! Pouille, tu vas le casser! Et oui, mon petit Pouille, tu es invisible grâce à moi. Tu es le premier Pouille du monde à expérimenter l'invisibilité. N'es-tu pas fou de joie? Non, je suis pas du tout fou de joie. Je veux redevenir visible immédiatement. Mais non! Tu ne peux pas tout de suite. C'est un aspect que j'ai complètement négligé avec mes recherches, n'est-ce pas, bête? Combien de temps ça va durer, là, tes effets de ta potion, hein? Ah, ben ça, je sais pas, Pouille. Que veux-tu? Je l'ai négligé. Tu vas me payer ça, Fripp! Pouille, laisse-moi descendre. Pas question.
Mais non, puis tu me chatouilles. Arrête de chatouiller. Fouille. Fouille, où es-tu? Fouille, tu n'es vraiment pas drôle. Fouille, si je te mets la main au collet... Non, tu me chatouilles, Fouille. Là, je te tiens. Oh, arrête, Fritz, tu me chatouilles. Oh, Madame Peccady, oh, vous êtes là. Oh, je ne vous avais pas vue. Je suis désolée. Mais ma petite Fripe, pourquoi courez-vous ainsi? Hein? Je croirais que vous avez le diable à vos trousses. Non, ce n'est rien, rien. Qu'est-il? C'est de la danse moderne. Oui, c'est ça. Je fais de la danse moderne. Ah bon? Et ça ne nécessite pas de partenaire. Oh non, le partenaire est optionnel. Ah bon? Je vais vous laisser à vos... à votre... Enfin, je vais vous laisser. C'est l'heure de la leçon de Toto, évidemment. Je vous demanderai, si c'est possible, de faire un petit peu moins de bruit. Oui, je vais faire très attention. Excusez-moi si c'est nerveux, je recommencerai plus. À la bonne heure. Oui, ça suffit comme ça. Vous dites... Oh, moi, je ne dis rien. Je ne dis rien. Ah bon? J'avais cru entendre. Oh, mais tu n'es pas drôle du tout. Allons voir si Madame Peccady trouve ça drôle. Pépouille, qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce qu'il y a encore? Je vais faire ça, Mais alors pourquoi frappez-vous à ma porte? Oh, c'est un vieux tic nerveux. C'est quand mes nerfs ne m'obéissent plus. Mais ça ne fait rien. Je ne le referai plus. Très bien. Très bien. Je retourne à ma leçon. Hein. Oui. Mais il ne faudra plus me déranger. Toto, c'est hyper nerveux. C'est promis. C'est promis. Non, mais enfin, c'est fou vous faire soigner. Ce désordre nerveux me paraît des plus inquiétants. J'ai connu un patient comme ça qui avait aussi un désordre nerveux, sauf que lui, c'était complètement différent, tout en étant exactement contraire. Il vous ressemblait beaucoup, d'ailleurs, bien qu'il fût blond. Mais vous savez, ça se produit seulement quand je manque de vitamine C. Voilà. De vitamine C. Oui, c'est ça. Ah bon. Vitamine C. Eh bien, dans ce cas, ne vous en faites surtout pas pour moi. Et maintenant, à nous deux.
Pouille, mon frère, ingrat. Pouille, montre-toi maintenant. Non, pas question. Mais enfin, Pouille, tu vas quand même pas rester invisible pour le reste de tes jours. Pouille. Oh. Pas pour le reste de mes jours, mais pour quelques temps encore. Finalement, c'est très amusant d'être invisible. Oh, mais regardez donc qui est de retour parmi nous. Fripp, il y a Madame Peccadi qui va se demander si tu n'es pas encore malade. Oui, mais c'est ça qu'on va voir et pas plus tard que tout de suite. Qu'est-ce qui se passe encore? Mais vous faites de la fièvre. Mais qu'est-ce qu'il lui prend? Est-ce là une autre de vos danses modernes? C'est vrai qu'il est un peu bizarre ces temps-ci. C'est parce que, voyez-vous, il croit qu'il est devenu invisible. Étrange maladie. J'ai bien peur de ne pas connaître le remède. Moi, je connais un truc. Ah, bonjour, Poupouille. Ça me fait vraiment plaisir de te revoir, mon petit Pouille. Et moi aussi. Parce que justement, j'ai quelque chose à te dire. Oh, elle a quelque chose à me dire. Tiens, prends ça. Oh, je suis tout mouillé. Oh, oh, plus maintenant. Oh, la frite. Que veux-tu? Alors, ce barbecue, c'est prêt? Oui, il est là, le barbecue. C'est encore chaud? Je sais pas. On va essayer. Oh, ça fait plus mon cours, hein? Ça, c'est ma brochette. Mais attention, tu dégoulines sur le. Oh, c'est pas grave, ça, c'est un barbecue, ça va réchauffer les choses. Ça va être bon, ça. Ça, c'est ma brochette à moi. Et l'autre est ça, hein, toi, mais celle-là, elle est à moi. On va se régaler, mon petit Pouille. Oh, ça va être bon. Mmh, oh, ça sent bon, ce petit barbecue. Pouille, ton jus. Tu crois qu'elle va disparaître? Oh, je sais pas, Fripp. Je vais aller voir si elle va disparaître. Oui. Tu la vois? Je la vois plus. Elle a disparu. Elle a disparu, Fripp. Madame Peccadi a disparu. Madame Peccadi a disparu. Tu crois que si elle saurait, elle va nous courir après comme nous, elle va nous faire des mauvais coups? Mais non, non, tu es sûr? Est-ce que tu...